au pays du déplorable Thomé Deblay. L'État congolais n'est là mais qu'une coquille vide. Vidé-la de sa substance par une mafia congénitale qui en a là pris le contrôle avec la complicité de certains de nos voisins qui ont décidé unanimement d'effacer la République démocratique du Congo ex-Zaïre de la carte du monde et plus particulièrement de l'Afrique. Voilà que certains de nos voisins se comportent là en des véritables prédateurs, véritables états voyous, jusqu'à en placer certains de leurs hommes à des postes clés de notre administration et de l'État. Oui, ces hommes sont là leurs bras armés. Le Congo d'aujourd'hui est une terre d'occupation qui tend vers un territoire occupé, d'où notre préoccupation. Face à cette injonction et face à ces mercenaires qui ont pris là la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, en otage, avec la complicité de certaines grandes puissances qui sont plus portées sur nos matières premières que sur nos hommes. Aujourd'hui, tout se passe comme je l'avais prévu et comme je l'ai toujours dit, ils ne sont pas là pour le bien du Congo. Oui, ils ne sont pas là pour le bien du Congo, mais plutôt pour la destruction de la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, par la mise en place d'une balkanisation. Oui, j'enrage. Pourquoi s'accroche-t-il le mordicus au pouvoir pour, sans doute, n'avoir cela mené à bien, en temps et en heure, la mission qui leur a été assignée par leur parrain? Et depuis, que constatons-nous? Une montée de violence et une multiplication de sources de conflits, mais savamment orchestrées. D'où plane l'ombre du régime congolais. C'est vrai qu'ils ont là gagné par la peur. C'est justement ce qu'ils voulaient. Mais nous n'en sommes pas dieux. Et bien loin d'être là des coquilles vides. Celui qui connaît la vérité ne cédera jamais face à la cruauté du mensonge. Ce régime ne me fait pas peur, mais cependant se révèle aux yeux du monde tel qu'il est, tel qu'il a toujours été, sans le moindre masque. Nous voir là assassinés par nos propres frères, qui ont là mais vendu leur âme au diable. Et là, notre plus grande désillusion. Et ses voisins qui se sont empêtrés dans l'affaire, qui se sont détournés de nous pour avoir violé toutes les conventions de bonne convenance, auront là un jour à nous rendre les comptes. Oui, j'enrage de cette injustice par laquelle ils ont violé là notre intimité, notre fierté, dont ils devraient en répondre un jour. Le régime congolais n'est plus en droit d'exercer dans un état de droit où il a incessamment violé insidieusement tous les droits pour en avoir fait un état de non-droit, en somme, un véritable Far West où tout est permis et le chaos en vaste champ de mine à la portée là de nos prédateurs. La communauté internationale ne devrait plus du tout briller par son silence
ce silence qui le fait et le rend complice des crimes commis. Oui, ce silence qui le condamne de fait et fait d'elle une complice de notre tragédie. Tous les crimes ont été commis et continuent à être commis sous le nez et la barbe des Congolais et de la dite communauté internationale, censée là de nous protéger de ces crimes inscrits dans les ordonnances de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Au Congo, le crime est visible, véritable crime plébiscité par les autorités en place. Là où tout devrait être clair et subitement devient flou. Et cela ne préconise rien de bon. Je vous assure qu'il y a là, mais anguille sous roche, la violence de l'État congolais envers ses concitoyens est un non-sens du genre qui ne peut pas tenir des Congolais, voire des autorités qui s'enrichissent sur le dos des Congolais qu'ils pillent et maltraitent à longueur de journée, pour ne pas dire matin, midi et soir, ne peut que relever des occupants qui, par la force des armes, sont là mais en train de nous imposer la loi du plus fort, en somme, un véritable esclavage en règle. Nous n'allons pas nous faire acheter avec notre propre argent. Je suis véritablement en colère de voir comment la bêtise a pu prendre le dessus sur nous avec la complicité de ceux en qui nous avions confiance. Ceux qui ont occasionné le chaos du Congo doivent plier bagage pendant qu'il est encore temps. Car le peuple a été plus que clément à leur égard. L'intelligence congolaise ne se résume pas à une bande de voyous organisés qui nous aurait là mais pris en otage jusqu'à preuve du contraire. Cette situation m'affecte, mais au plus profond de moi, et j'en parle la mort dans l'âme. Nous ne sommes pas aussi bêtes qu'on le croit. Oui, pas aussi bêtes que ceux-là qui courent après l'argent facile jusqu'à en vendre là leur âme au diable. Je ne peux là supporter de nous faire passer pour des gens incultes, oui, aussi bêtes que nous ne nous sommes. L'identité d'un homme de droit ou l'identité d'un endroit dans ses bottes ne se négocie pas, et encore moins celle de toute une nation. La bêtise est là, est bien visible, voire même saute aux yeux des malvoyants. Mais que voilà, oui, que voilà, les ignares la cautionnent au point de retourner dans leur tombe ces penseurs de lumière qui ont tout fait pour nous amener leur lumière, oui, pour que cette intelligence nous parvienne. Au Congo, le changement la plus radicale s'impose pour que le peuple fasse là son deuil et redonne à nouveau une chance, mais à une nouvelle classe politique. Un changement de plus radical s'impose, un changement de mentalité ne pourrait se faire que par un, comme je le disais tout à l'heure, renouvellement de la classe politique. Il y en a marre. Oui, il y en a marre qu'on nous identifie toujours à ces voyous. Il y en a marre qu'on nous identifie toujours à ces gens sans foi ni loi, qui vont là à l'encontre de toutes les notions de valeur. Nous sommes tout le contraire de ce qu'ils sont, et nous en sommes très fiers. À bon entendeur, salut.
parrain des mers. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent au-delà des mers. Une voix sans foi, une loi sans toi, mais une foi sans loi, pour une fois sans toi, mais une foi qui cherche sa voie par la croix, mais une foi sans loi, pour une foi sans toi, mais une foi qui cherche à savoir. Plus de droit, de roi, ni de mots, de bourgeois, que des mélopées d'amour pour assouvir ma passion, telle est ma plus belle hymne d'amour. Que des mélopées d'amour pour assouvir ma passion, telle est ma plus belle hymne d'amour.